m'appelle Guy Canel. J'habite à Vierzon depuis 20 ans, une ville que l'on trouve belle, accueillante et agréable à vivre. Donc c'est là que je m'y exprime et je me sens bien. J'ai 20 ans et le reste c'est une expérience. Alors là c'est les palettes, j'ai pris un petit mélange que je me sers au fur et à mesure. Pas trop le sport, donc plus les arts. J'ai décidé de me lancer dans la peinture. Donc j'ai commencé par des danseuses en train de fumer. Plus comme la retraite arrivait, j'avais plus de temps. C'était en hiver, donc les arbres étaient givrés. Alors ce tableau, c'était à Shanghai, dans le vieux marché de Shanghai. Et j'ai vu ces dames qui vendaient du thé. Dès que je l'ai vu, le tableau s'est formé dans la tête. Et dès que je suis revenu, c'était la première création de mon voyage en Chine. Je préfère les scènes de vie, le mouvement. J'ai beaucoup voyagé, surtout au Vietnam, Cambodge, Birmanie, Chine. Et j'aime particulièrement ce tableau. De travailler avec le flou, avec les parties nettes. Et c'est vers cet esprit-là que j'ai envie de travailler. Alors mes projets, pour l'instant j'ai des expositions de prévues. Une à l'office de tourisme de Valençay courant avril. Ensuite à Tours dans une EHPAD durant le mois de mai. Et en juillet à Salbris. Question peinture, je veux évoluer dans ce flou et cette netteté que je voudrais créer. Donc partir ici de deux personnages qui sont bien nets et aller vers le flou avec des personnages. Donc comme moi, si vous avez un talent caché, n'hésitez pas à contacter verygoodvierzon.fr. C'est des personnes très sympathiques qui sont ouvertes à toute initiative positive dans la région centre et surtout à Vierzon.